dans ce nouveau vlog, le vlog numéro 17 de Noël. Ça a tellement passé vite, j'en viens pas qu'on soit rendu au numéro 17. Oui, mange ta toast. C'est débile, il en reste vraiment pas long au mois de décembre, c'est vraiment bientôt Noël. Quoi? Oui, tu peux manger ta toast. Fait que ce matin, aujourd'hui, pour vous mettre en contexte, c'est les 7 mois à Marie-Lou. Ça va tellement vite, c'est fou, on dirait que... Puis je sais que comme... On dit tout ça, là, les mamans, comment que le temps passe vite, comment ça va vite, comment nos enfants grandissent vite, puis... Mais c'est tellement vrai. C'est bon! Ouais! Tu sais, les jumeaux ont eu 9 ans, là, Marie-Lou a 7 mois. Comme, il est où le bouton pause? C'est fourrette. Hier, je disais ça à mon chum, je dis, je suis tellement reconnaissante de pouvoir être à la maison, d'être 100% là pour les enfants, parce que je peux profiter de chaque parcelle des moments qui grandissent, tu sais, c'est vraiment, vraiment précieux pour moi, puis je suis vraiment, vraiment choyée et reconnaissante de pouvoir être à la maison avec eux, parce que... C'est fou. En vrai, j'ai comme pas de mots un matin, là. Mais ça va trop vite. Fait que, bref, c'est ça. Ce matin, j'ai pris des petites photos pour souligner les 7 mois de Marie-Lou. Là, aujourd'hui, les plans, c'est... je suis censée aller chez la pédiatre avec Castille. Mais là, j'ai déjà fait garder hier. Je trouve ça poche d'y refaire garder aujourd'hui. T'as dit pardon? T'as fait un gros rat? des faire garder aujourd'hui, ça me dit moins. Castelli est en forme. Je me dis que ça pourrait être un rendez-vous téléphonique à la place. Au lieu d'avoir à trimballer Marie-Lou, parce que là, je veux pas la faire garder comme 2 jours de fil. Je suis comme en dilemme. Je pense que je vais appeler la pédiatre si c'est faisable de... faire un appel téléphonique au lieu d'aller en personne. On se connaît bien, là, tu sais, du fait que dans la vie à Castille depuis vraiment longtemps, puis je connais bien la santé, la situation à Castille. Je me dis que ça pourrait être une avenue au lieu de me déplacer encore aujourd'hui. Je pourrais rester à la maison. Dernière journée de grève, fait que dernière journée que les cocos sont tous à la maison. J'aimerais s'en profiter avec eux au lieu de partir. Puis là, demain, c'est ça, les deux grands ont de l'école. J'ai rien là sinon au planning, mais c'est ça, les deux filles ont de l'école, fait que j'aimerais ça comme profiter de leur dernière journée de grève. T'sais, tant qu'à moi, on partirait le congé de Noël tout de suite, là, tant qu'à refaire une semaine d'école, leur tomber en congé. Mais je peux pas leur faire manquer une semaine au complet pour parce que je veux rester avec eux. Là. Fait que je pense que c'est ça. La solution, ce serait d'appeler la pédiatre, voir si on peut faire un rendez-vous téléphonique. C'est ta toast. J'étais à mon premier café. Je voulais prendre le temps d'ouvrir avec vous le colis que j'ai reçu pour la gastrostomie à Loulou. Chaque année, on doit commander un nouveau bouton de gastrostomie, des rallonges. Fait que je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait un peu. Fait que on va faire ça tantôt. Je vais finir mon café. Je vais finir le déjeuner de toute la gang. Puis on va se parler tantôt. Quoi? J'ai envie de cuisiner. Même si mon comptoir est plein de desserts, j'ai envie de faire des muffins aux carottes. Ils sont gelés, mais je m'étais préalablement cet automne râpé plein de carottes que j'ai mis en portions dans des sacs au congélateur. Je m'étais fait donner des carottes là, de jardin de ma tante.
Fait que pour pas les perdre, vu que j'en avais une grosse quantité, je les avais râpés pour faire des morphines. Puis là, ben, j'ai comme une envie de morphines, tu sais, les bons gros morphines aux carottes. Fait que je starte une petite recette. Fait que Ricardo, mon meilleur ami en cuisine, j'ai pris une recette, la première que j'ai trouvée de Ricardo. C'est celle-là qu'on va faire. Jouer dehors, il fait super beau, puis je veux qu'ils en profitent, là, vu que demain, ils ont de l'école. Je me suis dit que j'allais en profiter pour ouvrir la boîte que je voulais vous montrer, qui a un rapport avec la gastrostomie à Loulou. Nous, selon les recommandations de la gastro-entérologue, c'était de changer son bouton de gastrostomie une fois par année. On doit toujours en avoir un en backup. Nous, on fait son changement de bouton toujours en juillet. Mais là, ça a été plus long comme prévu de faire la commande pour le bouton. Fait que c'est là qu'on le reçoit. Fait que ça. Ça vient dans une boîte comme ça. Je vais vous montrer là, à quoi ça ressemble. Moi, je garde toujours ça dans son garde-robe. En cas, là, si on a besoin de faire un changement rapide. Mais sinon, là, à chaque mois de juillet, on change son bouton de gastrostomie. Fait que ça vient dans un kit scellé comme ça. Là. Je ne l'ouvrirai pas, mais on peut voir là, ça ressemble à ça. Le bouton de gastrostomie, il est là. J'ai des seringues, j'ai les rallonges pour faire le changement là, de bouton. C'est mon chum qui le fait. Mon chum est super à l'aise là, de faire ça. Puis, on achète toujours aussi avec ça. Je vais l'ouvrir. Un paquet de 5 rallonges des tubulures comme ça. Là, qu'on doit là, changer aux 4 à 6 semaines. Moi, je dirais que je les change plus aux 6 à 8 semaines parce que. On les entretient bien, puis on les lave bien. Puis ça, ça vient en paquet de 5. On a le droit à 5 par année, je pense. 5 ou 6 par année qui sont couverts par les assurances. Sinon, il faut les payer de notre poche. Là, moi, j'en envoie à l'école. J'en garde ici. Ça fait que ça ressemble à ça. C'est assez dispendieux. Je ne sais pas si les rallonges pour une boîte de 5 comme ça revient à 140 $. Et le bouton, c'est la marque Mickey, là, parce que nous, je sais pas si c'est des informations qui vous intéressent, là, vous me direz en commentaire là, si c'est pertinent, puis vous aimez ça, je vous parle de ça. Le bouton nous revient à 276,85. Alors, avec ben, le total, c'est 416,85. Là, nous, ben, on fait une réclamation à nos assurances pour avoir un remboursement de ça. Voilà. Un beau cadeau de Noël pour Castille. C'est ça qu'il y avait dans ma petite commande. Sinon, là, j'ai fait les muffins. Ils sont super beaux. Les filles les ont goûtés. Les filles ont goûté aux muffins pour la collation. Puis, ils ont vraiment aimé. Fait que je suis bien contente. Ils sont super beaux. Il aurait manqué un peu de cuisson. Là. Je les ai mis 27 minutes. Ils disaient de cuire pendant 25 minutes. Puis j'aurais dû les laisser encore un petit 2 minutes. Mais ils sont quand même excellents. Fait que tant mieux. Pour dîner, il nous reste des mini pizzas d'hier. Sinon, ben j'ai des tortillas. Je vais mettre de la sauce à pizza, salami, fromage. Je vais plier ça comme un panini. Je vais faire griller ça. Fait que ça va être comme des panini pizza, puis ils vont finir aussi les mini pizzas là, sur pain en hamburger. Ce soir sera un soir de pâté chinois. Fait que ça ressemble à ça.
J'étais en train de ranger dans le garde-robe à Loulou son bouton là, de stomie que je viens de vous montrer. Je me suis dit, tant qu'à être là, j'ai la boîte de son bouton de gastrostomie qu'on lui a installé en Juliette. Fait qu'elle est ouverte. Je peux vous montrer comme l'intérieur. Là. On n'a pas utilisé les tubulures vu qu'on en avait d'autres. Là. Fait qu'elles sont encore intactes dans la boîte avec la grosse seringue. Fait que ça ressemble à ça. La grosse tubulure, on l'utilise jamais. Là. On utilise plus la petite tubulure. Là, celle-ci, là. Voyons. C'est celle-là qu'on utilise comme à chaque fois qu'on fait un gavage à Loulou. Elle est neuve. Là. Je l'ai laissée là parce qu'on ne l'a pas changée encore. Mais on ne l'a pas changée encore. Je ne l'ai pas utilisée celle-là parce que j'ai pris ceux dans ma réserve là. Mais j'en ai une ici que je pourrais utiliser là, prochainement. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, je vais mettre ça. J'ai comme plus de place. Tellement d'affaires. J'ai comme sa machine à traitement, ses gants, des boîtes de médicaments. Son ancien corset. Castel a déjà eu un corset moulé là, pour redresser sa colonne. Ça, c'est une réserve de seringue, sa réserve de tubulure, une autre réserve de seringue. Tant que son garde-robe ressemble à une réserve d'hôpital. Hein, Loulou? Quoi tu fais là? Tu joues dans ta jambe? Hein? C'est tellement beau dehors. Ouais, t'aimes ça regarder dans ta fenêtre? T'es mignon. T'es mignon, mignon. Je suis en train de faire le souper, un petit pâté chinois bien basic. Il nous restait des patates suite à notre journée de baigne avec mon ami. Fait que je vais faire un petit pâté chinois, ça va être bien relax. Sinon, après-midi, je pense que je vais montrer des clips que les filles ont joué dehors. Sinon, on a joué au backgammon. Maman est venue à la maison. Puis là, je suis en train de faire aussi une petite recette pour Marie-Lou. Ce midi, j'ai essayé de la faire manger par elle-même. Soit des petits morceaux de muffins ultra moelleux que j'ai fait aux carottes, qui sont délicieux. Soit dit en passant, elle a mangé un demi-muffin à elle toute seule. Elle savait comment ça marchait. Elle se mettait ça direct dans la bouche. Elle était une pro. Là. On dirait que ça faisait déjà longtemps qu'elle mangeait en morceaux. On va mettre de côté les jugements et les commentaires. Moi, je juge qu'elle est prête, alors je la fais manger. Et là, j'ai envie de lui faire des petites quiches brocoli. Puis, je les ai enrichies avec des céréales de bébé. Fait que ça va être coco, brocoli, céréales de bébé au riz. Des céréales de riz là, sans saveur. Comme ça, ben, ça ne changera pas le goût. Puis, ma docteur me suggérait d'intégrer les allergènes assez rapidement dans son alimentation. C'est comme la nouvelle méthode, là, il paraîtrait. Fait que les cocos, je les intègre à partir de ce soir. On va l'essayer. Sinon, du lait de vache, ça fait un petit moment que je l'ai intégré à son alimentation. Elle mange aussi des yogourts. Fait que les produits laitiers, ça passe le test. Ce soir, on essaye les cocos. Puis mon chien a l'air d'avoir envie de manger la recette à Marie-Lou. Fait que je vais faire ça là, dans mon moule comme ça. Fait que je vais pouvoir lui donner un rectangle. Puis elle va pouvoir le prendre puis mordiller après. Fait que je vais faire ça. Sinon, ben là, ma viande est en train de cuire. Je me suis sortie du fromage en grains pour mettre dans mon pâté chinois.
Puis mes patates, je les faisais réchauffer au micro-ondes pour avoir la texture désirée pour être capable d'étaler ça sur mon pâté chinois. Fait que je vous montre le résultat final. OK, mais regardez-moi ça, comment ils sont belles, mes mini-quiches! Genre, la couleur est vraiment véridique, là. Le brocoli fait ressortir la couleur, c'est juste wow. Ils ont vraiment parfaite. Molle, ben molle. Moelleuse, je dirais pas molle, mais moelleuse, mais ça m'en a fait beaucoup, là. Fait que on va essayer ça à Marie-Lou ce soir. Sinon, ma mère est allée faire des petites commissions pour moi, puis est allée me chercher des petits puffs pour mademoiselle Marie-Lou et des biscuits momum. J'y avais demandé d'aller m'en chercher, fait que j'ai pris fraises et pommes, pêche, bleuet et banane. Fait que ça va être des petites quiches ce soir pour souper, puis des petites puffs. Fermer le vlog dans la salle de bain. Je viens de coucher Marie-Lou. Les filles sont en train de faire leur routine du dodo. Demain, c'est le retour à l'école. Allez, arrête de danser, c'est pas cool. Ça? Non, je reste avec toi. Il te reste une semaine d'école. Puis après, c'est le congé de Noël. Oui, je sais. Puis demain et après-demain, ça va être encore congé. Ouais. Un jour d'école. Exact. Fait que, résumé de la journée. je vous étais pas revenue sur le rendez-vous que j'ai eu avec la pédiatre à Loulou. Ça a été un rendez-vous téléphonique finalement. J'ai réussi à avoir un rendez-vous téléphonique au lieu de me présenter. Fait que j'ai pas eu à sortir. J'étais vraiment contente. Oui, c'était trop cool. Fait qu'elle m'a appelé à 1h30. Ça a bien été. On va faire un suivi, par exemple, dans 3 mois à la clinique parce que Castiel prend pas beaucoup de poids. Il en a même perdu le mois passé. Fait que là, ça l'inquiète un petit peu. Fait qu'on va mettre des choses à jour avec la nutritionniste pour s'assurer que Castiel prenne bien tous les apports caloriques qu'il a besoin. Sinon, après ça, après ça, je vous ai montré la préparation du souper, puis j'ai fait des mini-quiches à Marie-Lou. Elle a vraiment aimé ça, puis elle est vraiment contente. Elle mange même des muffins. Oui, à midi, elle a mangé un muffin aux carottes. À soir, c'était des quiches au brocoli, puis j'ai donné des petites puffs, elle a aimé ça. Puis elle a super bien toléré. Ce soir, ça a été plus tranquille, on a joué là... avec Marie-Lou à terre, au sol. Puis là, c'est ça, on fait la routine de bonheur parce que il y a de l'école demain. Puis sinon, si vous me suivez sur Instagram, quand vous allez voir ce vlog-ci, vous allez avoir vu ma nouvelle collaboration avec la compagnie Les Goglus sur Instagram. Fait que si vous ne les connaissez pas, c'est une compagnie, en fait, c'est Marie-Justine, qui est propriétaire sur une compagnie de vêtements évolutifs et des commandes aussi. Elle fait aussi des commandes personnalisées. C'est tout là que le linge à Castiel est fait. C'est Marie-Justine qui le fait. Puis les bavoirs à Marie-Lou. Là, j'ai commandé du linge aussi à Marie-Lou que je vais vous présenter demain dans le vlog de demain. Je vais l'avoir déjà présenté sur Instagram. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, bien, vous allez pouvoir voir les items demain dans le vlog. J'ai aussi un code promo à vous partager si jamais ça vous dit d'aller l'encourager. Elle fait autant de l'enfant que des vêtements pour adultes. C'est sûr que c'est plus sur demande, sur personnaliser le vêtement pour adultes. Mais elle en fait pour tous les goûts. Fait que mon code promo, c'est AA10. Puis c'est vraiment une personne en or. Ça fait déjà 2 ans que je commande dans sa boutique pour Castiel. Puis là, ben, je commence à me faire un stock pour Marie-Lou. Fait que je suis bien contente de collaborer avec elle. Puis bien, sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée, dépendamment à quel moment
vous écouter notre vlog. Puis on va se retrouver demain. Bye, à demain. Bye.